Donc là, il va pas taper. Ok, j'ai compris le bug. J'ai capté le bug, c'est bon. Donc là, regardez, là, je vais avoir pas d'attaque speed. Et là, après, je vais l'avoir si les autres viennent. Ok. Ok, en vrai de vrai. Il est maîtrisable le bug. En gros, donc c'est vraiment ça. C'est en gros, je mets une auto-attaque à un sbire qui le fait passer en dessous de midlife. Je n'aurai pas d'attaque speed sur la prochaine auto-attaque. Mais du coup, je l'aurai la mousse d'attaque speed après la mort du sbire. Et je te regarde gérer le bug. Mais en vrai, c'est. On va essayer. Mon but, même si c'est très dur. J'ai vraiment grid pour l'avoir le kill. Pas en gros. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, lui, je vais pas avoir l'attack speed. Alors que si je fais. Là j'ai pas l'attack speed. Là, j'ai. Attends. Là, je vais avoir l'attack speed. Oh putain. Là, je vais avoir l'attack speed sur cette auto. Voilà. Et en gros. Là, j'ai l'attack speed sur deux sbires. Voilà, je suis sur deux auto-attaques. En fait, c'est tout le contraire de ce que c'était avant. Toujours le bug sur le Z, ouais, mais en vrai. Oh putain, et là j'ai l'attaque speed, vite, vite, vite. Ok, c'est bon. En fait, c'est tout le contraire de ce que tu faisais avant. Du coup, ça reste un nerf, mais. Tu peux l'exploiter pour quand même. En fait, faut surtout pas jouer comme avant. Mais du coup, c'est du bug exploit. Est-ce que c'est ban période? Je sais rien. Regardez là les autos sur les sbires là, regardez, hop hop, deux autos sur un mec full life. Ça n'a aucun foutu sens. Ah c'est pendant une seconde, regardez, hop hop. Ok, je vais continuer de perdre énormément, énormément, énormément de last hit. Je vais perdre beaucoup beaucoup de CS. Mais, ça donne du push, ça donne de la régène. En fait, dès que je tue un sbire, c'est comme si j'avais un reset de. Là, regardez, j'ai pas mis d'attaque speed parce que j'avais. Parce que le mec. En fait, quand tu le fais passer en dessous de midlife, tu n'as pas de boost. Faut que tu remettes une auto. Ou alors que tu lui mets un Q. Oh, imagine. Oh putain, let's go! Une folie de me désirer autant. Espèce de neuil. Pas beaucoup de mana hein. Je suis très loin de mon niveau 7. Enfin, du coup là je vais avoir de la boue de moustique sur l'autre. MDR. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Putain, il est impossible à choper hein. Du coup, parce que regardez, si je prends le last hit sur lui, je peux vite me regen sur l'autre. C'est n'importe quoi. Attends, il y a quoi comme champion? En fait, c'est comme si je prenais des resets. En gros, il n'y a plus de boost de move speed quand le mec est low. Parce que du coup, tu mets l'auto, ça, il se passe rien. Mais quand tu last hit un sbire. C'est comme si j'avais une ulti Jinx en fait. Enfin non, un passif Jinx mais sur deux auto-attaques. Par contre le Graves il est top, il est bot, c'est une légende ce mec. Il loot farm le Teemo. Il est partout le frérot. Selon mon attaque speed j'arrive parfois à avoir trois auto-attaques max mais c'est quoi ça. Attends tu veux dire qu'on peut avoir trois auto-attaques max boostées après avoir la un sbire. Bah en vrai, ouais. Attends, regardez, hop, hop, je tape trop vite. En vrai, ça peut être un buff. Bon. Le perso est complètement buggé. Vite, vite, vite. Et du coup, si je suis pas assez rapide, j'ai qu'une seule auto-attaque boostée. Mais vous savez que ça va me faire perdre tous mes réflexes de Willow.
Quand t'as ta BO de faire 4, tu peux mettre 3 autos, ok. Mais du coup, regardez ça, je perds des sbires, je suis jamais censé perdre. Ça va. Mais du coup, ouais, là, je pense que j'ai perdu facile 500 LP sur ce bug. Hein. Je pense que là, j'ai un niveau master, hein. Je suis pas un niveau plus haut. Hein. C'est du coup, toutes mes connaissances, tout ce qui me rendait chal a été supprimé. Je préfère quand même lancer un Rarik. Non, mais oui, mais en gros, tu vois, j'ai pas le choix, tu vois. Si je veux continuer à jouer Warwick, j'aurai le bouton aussi, du coup. Ah, vite, vite. C'est bon, ça marche. On a réussi à maîtriser le bug. J'espère qu'il gagne le move mid parce que le Teemo, on... Ça va. Comment je peux le tuer? En vrai, je peux pas le tuer. Hein. Genre un river du W, ce serait incroyable. En fait, je sais pas ce que Riot va faire. En fait, ils sont tellement imprévisibles dans leur incompétence que tu n'as aucune idée de comment ils vont réagir au bug. Vu qu'en fait, ils font des patchs sans jouer les persos. C'est une folie, hein. Un jeu... Hop, petit père. Ah bon, ma gueule un peu. Combien de gold ça coûte, hein? Teemo, personne t'a demandé de mourir comme ça. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je dois push en vrai. En vrai, je pense que potentiellement ça augmente le push de Warwick. Genre, ok, je peux pas la stit les sbires comme je veux. Mais je tape vite. Hein. Si je pré-shot le fait que la stit un sbire va me donner deux auto-attaques boostées. Putain, en vrai, je suis en train de perdre tous mes réflexes de chal. Hein. Je suis en train de jouer un autre perso. Mais c'est pas grave, on apprend. J'étais obligé de perdre cette wave. Yo, salut Naito. Ça va, BG? Avant, genre, je mettais tous les spears mid-life pour pouvoir jouer avec la wave, mais là, du coup, le but, c'est juste de jouer un CS puis un CS. Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai capté le truc. Je pense qu'en termes de bait et tout, c'est un énorme nerf parce qu'avant, genre, je jouais vraiment avec les HP des sbires. Là, le but, c'est vraiment juste de faire un sbire puis un. Et c'est pour ça que les Warwick Bailo ne comprenaient pas. Un meilleur clear de wave. Ouais, mais pas, ça veut pas dire meilleur last hitting, au contraire. Merde. J'ai tenté. C'est pas grave, je peux juste taper sbire. Je tape juste un sbire puis un sbire et en fait j'ai la attaque speed. C'est vraiment débile, hein. Je n'ai jamais fait comme ça. J'ai jamais joué mes waves comme ça. Hein. Je pense que je survis. J'ai jamais géré mes waves en prenant juste. Sans zéro, un sbire, puis un autre. Genre je jouais tout le temps en mode de mettre les sbires mid life pour pouvoir me régénérer et bait et tout. Tout ça t'oublie hein. Eclipse. Je fais un stuff, j'ai créé un stuff là, je vais vous le montrer. Tellement bizarre à voir. T'as acquis la connaissance. En fait vraiment, en fait je comprends tellement pourquoi les Bailo ne comprenaient pas le bug. Genre je voyais les commentaires YouTube, les gens comprenaient que dalle. 80% des gens. Mais en fait, c'est normal. Parce que c'est vous jouez comme ça.
Vraiment jouer comme un bot. Putain. Parce que du coup, ça... Oh putain, mais c'est ça! Limite, je me positionne prêt pour auto-attaquer les deux. Ça marche. C'est Takatsuko. Takatsuke. GG. On lui ulting Tiramo au Warwick. Pourquoi? Parce que le Jin est overfed. Et c'est vraiment l'opposé de ce que tu devais faire avant. Le problème c'est qu'à Willow en fait ça te fait perma chauve et perma chauve contre des bons joueurs c'est de la merde. T'es Kika. Personne a du mal à suivre ce qui se passe hein. Putain les deux. Je peux rien faire. Je peux rien faire, il a ses buts, je les ai pas. Mon W ne fait pas ce que le Riot a dit, c'est-à-dire ne donne pas de boost de move speed. On prend des dégâts. Alors c'est censé être le cas. Mais... Espérons qu'au moins ils règlent ça au prochain patch. Peut-être que ça ils vont le remarquer quand même. Et encore je suis même pas sûr ouais. Faut vraiment pas sous-estimer l'incapacité. Ok, ils se sont fait 4 pour 0 là, 4 pour 1. Bien joué les frères. Et ça veut FF, la base. Slash defense? En vrai ouais, slash defense, ils n'ont pas... Regardez les derniers épisodes, j'ai même pas regardé le premier. Bon, j'ai pas la tête à ça. Je suis à fond sur One Piece en ce moment. J'aime trop. Je viens de finir l'arc Big Mom. Et il y en a qui me disent que l'arc était trop long. L'arc était parfait. J'ai aimé toutes les étapes de l'arc Big Mom. J'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé toute l'histoire. Je suis peut-être un... J'ai peut-être pas de goût, mais moi j'ai tout aimé. Les gens, je trouve qu'ils sont un peu trop aigris pour des choses... Enfin, pour en ce moment. Il a sa plaque d'os en plus, genre vraiment, je peux rien faire contre lui. Je sais pas à la fois comment c'est vrai que vu le nom d'épisode. Enfin, One Piece, vu le nom d'épisode. Je vais comprendre le jeu. Je l'allume. Mais en vrai, c'est merci à Pablo. Pablo a été le seul qui a réussi à m'expliquer le bug, concrètement. Et du coup, j'aimerais bien vous montrer le... Oh, oh putain, j'aimerais bien vous montrer l'exploit. Moriot ne me bannez pas, d'accord? Riot ne me bannez pas, d'accord? Je veux juste tester un truc. D'accord? C'est pas un bug, Riot, hein. C'est vous qui avez créé ça, bande de chiens. C'est Riot, hein, c'est pas moi, hein. C'est Riot qui a créé ça, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. En vrai, t'es vraiment cool. Ils sont tellement incompétents. Ils sont tellement incompétents, mais c'est une folie. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'on a le pire staff possible. Même derrière, what the fuck, c'est génial. Bah, frérot, et genre. Tu chopes le bonus quand le vire meurt. Tu chopes le boost quand le vire meurt. Genre, qu'est-ce que je peux y faire? Avec Hillbreaker, ça doit être big. J'avoue. Qu'est-ce que je dois faire là? Mais moi faut que je split encore, non? Ils ont l'air vraiment mauvais mes mates hein. Ouais faut que je split hein. Tant pis. Créature du diable. En vrai c'est une feature hein. Voilà c'est une feature hein. C'est une feature à écrire hein. Bande de chiens de Riot hein. Et du coup quand je la split dans ce bien j'ai le coup de musique. En fait faut pas reculer, faut vraiment genre juste avancer. Et du coup quand tu avances full, tu n'as pas de bug. Et en fait c'est pour ça que les Iron n'avaient pas de problème, genre. Les ballots ne trouvent aucun problème au...
Tu les as stomp et t'as encore ton flash BG, non. Abuse. Et vous mourrez bot en 1v2. Ah, un effort les frérots. J'accepte que vous soyez éclaté, mais quand même. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce que les aides est plus fort contre les ranges qu'avant? C'est pas le même sort, frérot, y'a aucune comparaison. Je sais même pas en vrai. Enfin, je pense qu'à Oelo, tu ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Là, je me suis rendu compte qu'il avait fini Master ALP, là, je pense qu'il est. Je sais pas, il est en game de placement. Mais à voir, de toute façon, je vais rester sur ce compte là pour l'instant. Est-ce que je prends de la MR? Putain, ils sont full AD et ils sont overfed en AD. T'as bise, hein? T'as bise, ouais. Ok. Et du coup, je vais faire dans la mort. Faut qu'ils arrêtent de mourir un CD, bot, hein. Ok, je sais pas ce que t'as flash, mais tu l'as flash, ça c'est sûr. On est que 2 contre 3. 4, on est 2 contre 4. On a un ulti Galio. Bon, ça, on a un ulti Galio. Allez, go, 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 flip ça. Allez, Timo, tu viens. Bon. Comme un vrai Rajul. Énorme Rajul capable. Et comme ça, ils ont pas le. Bien joué ça. Ok, c'est un bon. Le Galio est humain, des informations hyper importantes. J'ai au moins un humain dans la team. Ah merde, j'ai slash defend. Très très important quand vous lancez au solo queue, regardez qui sont les humains. Non, c'est pas un item, c'est vraiment de la merde. Vraiment juste auto-attaque comme un iron, vraiment c'est ça. Hein. Arrêtez de kite, hein. C'est terrible parce que c'est ce qui me rendait trop fort au jeu. J'étais un des seuls Warwick d'Europe à kite. Hein. À space entre chaque auto. Et du coup, c'est ça qui me nerfait. Qu'est-ce qu'il veut ce chien? Je te donne pas l'heure, sale chien, je te donne pas l'heure. Ah, il a déjà exécuté le small day. MDR, ils sont 3 sur ma gueule. Oh mon roi. Let's go. Shutdown de baiser. Pas ça. Comment ça, je chope 600 gueules sur lui. C'est ce noob là qui vous a stomp en lane. Oh, putain. Oh putain, attendez, je viens de penser à un truc. Je last hit un sbire. Et into trade sur l'ennemi. Et du coup ça me fait deux auto-attaques ultra rapides. T'as intégré la Death Dance, pour l'instant je trouve pas mieux. C'est pas l'item du siècle, hein. Vraiment je pense que l'item est vraiment. Après il est même pas surcoté vu que l'item n'est pas joué. Mais je sais pas. En fait, il me faut un item full damage qui me donne de la survivabilité. C'est pour ça que j'ai pensé à Eclipse. Et ensuite, je pense à Danse de la Mort, dans une moindre mesure. Mais il faut que je build de damage, ça c'est obligatoire. Okay. Il a un execute, le small day. Et il faut que. Il faut que j'aille l'aider. Ouais, ça vaut le coup. Qui meurt, demande à qui déraye. Ah, il meurt pas. Il faut qu'il meure de mon aura. Ok. En vrai, ça le stuff passe crème. Hydro titanesque, c'est bien, non? Hydra. Les HP, ça ne donne pas de tankiness, les gars. Les HP ne servent à rien dans League of Legends. Non. Les HP, c'est juste un effet placebo. Hein. Cette barre de vie là, elle sert à rien. C'est les stats d'armure et de résistance magique qui comptent. Vraiment. Arrêtez de parler d'HP quand vous parlez de tankiness, s'il vous plaît.
retrouve mes bonnes habitudes, ça me fait plaisir. Putain, la morgue me sert à rien, c'est pas un champion. My bad. My bad. Malmortus, j'ai déjà fait. Attends, t'as peut-être raison en fait. L'éclipse n'empêche pas Malmortus. Pourquoi préférer. Attends. 60-60, 15-15, 50-50. Et au niveau du prix, il coûte 200 plus cher. Ok. Bah t'as raison. Oui, t'as raison. Bah c'est Malmortus. Bah c'est ça en fait. C'est ça. C'est. Si j'ai besoin d'émerge, je go Malmo. Là j'ai pas besoin parce qu'ils sont full AD. Mais c'est ça le stuff, t'as raison. Ange gardien. Bah j'ai le stuff hein. Ensuite je fais Mo et ensuite je fais Ange gardien. Bah tu m'as créé le build, bien joué. T'as pas de RM pour Fizz. Frérot, il est en 1-6, par pitié. Par pitié, par pitié. Il me heal le Fizz. Pas de RM, non mais. Si je pouvais vendre mes 59 de RM pour 10 d'armure, je l'aurais fait. Ce qu'il raconte. Et du coup, ça me donne du wave clear. Hein. Cloudbreaker, non, ça donne pas. Ça donne des stats qui servent à rien, ça donne des HP qui servent à rien. Ok, allez, je joue bien. C'est un peu deep, ça... c'est un peu overcommit. Après, est-ce qu'il y a mourir sans l'ulti Galio? J'aime pas trop où je suis là. Oh putain, toi t'es un Regel toi. Ouais, je vais mourir. En fait, ça manque de Vayne, ça manque d'un ADC. Hein. Et comment tu peux être un ADC qui farm pendant 25 minutes et le teamfight qui décide la game, t'es en train de te branler dans la river? Comment c'est humainement possible? Oh putain. Oh la fragilité loïdienne, c'est les ADC. Kuro Bizarre avait raison. Depuis le début. La fragilité loïdienne existe. Ce ne sont pas les enchanteurs, ce ne sont pas les supports, ce ne sont pas les... Je sais pas, les mages contre le nom, c'est juste les ADC. Les fragiles de la faille. Le galop c'est Chad, vraiment. Et puis même Timo fait une grosse game aussi. Il a été très très useless en early game, mais... Il s'est bien rattrapé. Morgana c'est son champion, elle a troll pick, j'y suis pour rien. C'est son champion qui sert à rien. Elle fait une bonne game. Non, c'est juste la putain de Vayne qui sert à rien. Donc là du coup je vais faire directement Ange Gardien. Ange Gardien 3. Ange Gardien 3 est envisageable. Là j'ai fait combien avec... J'ai fait 3000 de dégâts avec Press d'attaque. Vraiment un golem cette Vayne. Mais tant pis, hein, c'est pas grave, c'est la vie. Le fait que j'ai 4. Enfin j'ai 3 autres bons mates. Là je pense qu'il y a rien qui peut m'atteindre avec le. Vrai Rajal capable. Le vrai homme capable ce loup. Les gars, je vous ai setup du caviar, s'il vous plaît. Merde. Oh putain, ça. On a pris la catastrophe. Ok, on goal faire, c'est bon. Hey, j'aime bien le stuff, il est bourrin. Il est agressif. C'est un stuff animal. Comme je les aime. Et on a réussi à maîtriser le bug. Ça va refaire ma journée. C'est quoi les gars? On ne vit qu'une fois. Potion de rouge là. Potion de rage. Élixir de rage. 30 d'AD, 12 de vampirisme physique, ça sert à rien. Mais 30 d'AD, ça fait une pioche gratos. Pendant 5 minutes? Pendant 3 minutes. C'est tellement pas rentable. Éclipse en 1 ou en 2? En 2. J'aime trop BOTRK premier.
En fait, Eclipse 1, ça sert à faire des spacings tout tour, mais vu que je suis pas à l'aise avec les last hitting. Dans le stuff létalité, ça a marché. 1, 2, tu spell, one shot. Ça flippe, hein. Voilà, le dodge en blind, ça c'était stylé. Ouais, je suis imbutable quand je suis full AD. Le stuff est merveilleux. J'ai rarement autant pleuré sur un poulet. Et du coup, dès que je tue un gars, je reset le la brûlure de l'éclipse. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment un truc, hein. Viens, 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 mon frère. Viens, viens, viens. Je compte toute ma vie pour toi, mon frère. Voilà. Le de spell, le de Warwick, enfin. Avec le boxer in time, il nous fait quand même Zidane en stream. Bon, en vrai, j'ai quand même une game de winner Q. Enfin, c'est trop kiffant à jouer. Et du coup, là, j'ai fait 3500 avec 13 d'attaque contre un range, les gars. Mais pourquoi jouer l'étal tempo? Merci Yurek pour ton sub gift, merci BG. Et il y en a un qui m'a dit t'as besoin de MR contre le Fizz. Bah putain, on a maîtrisé le bug et on a trouvé un nouveau stuff un peu l'état. Enfin c'est comme un peu l'ancien stuff l'état. N'hésite pas à t'abonner BG sur YouTube, il y a des vidéos tous les jours. Bisous.